Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Mal, non? C'est mon projet qui a été retenu. Tu vois, l'idée, c'est de réunir les deux ensemble. On va démolir les anciens abattoirs, là, tu vois. Et ce qui m'étonne, c'est le délai que vous prévoyez. Qu'est-ce qu'il a, le délai? Bon, écoute, t'as fait des études, tu sais sans doute où tu vas, faut juste pas te planter, voilà. C'est quand même un de tes premiers chantiers. Il n'y a pas que des gens bien intentionnés, surtout avec des jeunes qui débutent comme toi. Hein. Fais attention. Concernant ta vie privée, reste discret. Donne pas le bâton pour te faire battre. On en revient toujours à ça. Mon fils est pédé, que vont dire les gens? T'es incroyable. T'as 34 ans, j'ai pas de conseils à te donner, je suis d'une autre époque, mais fais gaffe, ça reste un milieu macho. Les gars sont pas forcément à l'aise avec ça. Ouais, je crois que je suis plutôt bien placé pour le savoir. Je disais ça pour essayer de t'aider, c'est... Bref. Félicitations. Ta mère va être fière. Vous partez? Oui. Ça va, la petite? Non, ça va jusqu'à maintenant. Mais là, je pense qu'elle va commencer à avoir faim. Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir, Charles. Elle pousse. Il y a un petit problème, là. Je sais pas quoi. On va changer la couche. Hein? Oh là. Oh bon. Oh bon. C'est parce qu'elle te voit. C'est parce qu'elle voudrait être dans mes bras et pas dans les... Non, je pense qu'il faut que je la retourne. C'est toi qui lui fais cet effet-là. Non, ma puce. Oh, viens voir. Regarde. Tout va bien. Oh, tout va bien. Tu crois? Oh. Ah, Aurélie. Coucou. Déjà? Oui, c'est moi. Ça a été? Ça s'est bien passé? Oui, ça va très bien. Oh, je l'entends, mon bébé. Oh, coucou, tu vois? Toi. Regarde. Ça va, il me prend. Ça va. Oui. T'es pas ta soirée prise? Si, mais me voilà. Me voilà. Encore un gros con? Non, tu es plutôt cool. On a pris un verre, c'était très agréable. Puis je lui ai dit que j'avais une petite fille de 6 mois. Oui. Et là, chut! Il est parti comme ça. Non, 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 on a baisé quand même. Oh, plouf, eh ben voilà, eh ben voilà, regarde. Tu viens, ma chérie. Oh, on va prendre la tête. Oh, viens. Je prends mes médicaments. Sur ce.
tout à l'heure, alors. Tu m'aimes? Oui. Excuse-moi, t'as du feu? Merci. C'est comment dedans? Bon, c'est bien, il y a du monde. Ça fait longtemps que t'es là? 2-3 heures déjà. Et tu fais quoi après? Bah, je sais pas. J'ai rien prévu. Et toi? Je sais pas, je vais voir. Qu'est-ce qui fait la musique là, ce soir? Ah, DJ Corinne. Tu connais? Je t'ai jamais vu ici, en fait. Et pourtant. T'as tes soirs, quoi. C'est ça. Attends, on met une capote. Mais t'inquiète pas, je suis clean. Mais comment je sais, moi? Et qui te dit que je suis clean? Tu veux pas te détendre un petit peu? Ouais. Non, attends. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez me dire où je peux trouver Monsieur Souza, le chef? Il n'est pas là, il est malade. Il est malade? Oui. Et quelqu'un le remplace? C'est lui, le chef là-bas, Monsieur Taïvi. Merci. Excusez-moi, vous êtes le contremaître? C'est moi, oui. Céline. Céline. Je m'attendais pas à tomber sur toi. J'ai vu ton nom sur les plans. Tu peux venir avec moi? Oui. C'est bizarre, non? De se retrouver après tout ce temps. Je m'en suis voulu longtemps, tu sais. La manière dont j'ai réagi à l'époque. On était jeunes. T'étais en pleine confusion. Non. Je savais très bien que j'étais attiré par les mecs. Mais pour moi, c'était impossible d'assumer ça devant ma famille, de rompre avec eux. Voilà, j'ai fait un choix. T'as jamais regretté? Pas moi, je veux dire, mais... Je sais pas, de renoncer à ce que t'es. Un choix, c'est un choix. Tiens, regarde. Venue, c'est Liesse. Et elle, c'est la petite dernière, Leïla. Elle est belle, non? Ouais. Sont super, toutes les deux. Ouais. Franchement, je te dis la vérité. Quand je les vois, eux, je regrette rien. Ils me rendent tellement heureux. Et toi,
T'as quelqu'un? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un. Le même depuis 18 ans. Tant mieux. Tant mieux. C'est qui? Je l'ai trouvé devant la porte ce matin. C'est son père qui l'a foutu dehors, je crois. Mais il n'a pas voulu me dire grand-chose pour le moment. Je m'en occupe. Ouais. Tu t'es fait agresser dans la rue? C'est dans ta famille? C'est ton père? Ton frère? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut que tu saches que ici, t'es en sécurité. Eh, écoute, c'est bon, les bonnes paroles à deux balles, là. C'est quoi, t'as tout deviné? C'est mon connard de père qui m'a tabassé, et alors? T'espères quoi? C'est pas parce que je baisse des mecs et que je suis à la rue que j'ai besoin de me faire consoler par une vieille pédale comme toi, là. Ah oui, comme moi, c'est-à-dire? Regarde-toi, là, tu te la joues à croire que tu sauves des vies ou tu sers à quelque chose derrière ton bureau. Moi, j'en ai rien à foutre de tes phrases toutes faites, tu comprends? Mais t'es ici pourquoi? T'es pas venu ici par hasard, tu savais que tu venais chercher quelque chose de précis ici, non? Moi, j'avais juste besoin d'un endroit où puter quelques jours. Mais s'il n'y a pas moyen, sans être obligé de passer chez le psy, je préfère me barrer tout de suite. Hein. T'inquiète pas. On va te trouver un endroit. T'as la fibre. Ça te fait pas envie. Pourquoi? Tu te proposes? Moi? Non. Enfin, après tout, pourquoi pas? Ce serait assez tentant de faire un bébé avec toi. S'il est beau comme son père, intelligent et fin comme sa mère. Même l'inverse. Bah, réfléchis alors. Faisons-le. Je sais pas ce que va en penser Serge. J'ai peur d'être une mère un peu trop présente. Je risque de foutre le boxon dans votre couple. Oh, Serge, tu sais, il est facile à vivre. C'est vrai, c'est toi qui n'es pas facile à vivre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, et voilà. Elle t'a répondu. Ah oui, hein. Je suis d'accord avec toi. Tu veux ou pas, Emma? Non, Emma. On veut bien un petit bébé à la maison. Oh, bon, je crois que là... Viens me voir, ma poulette. Alors, ben oui. Tu veux venir chez moi ou pas? Non, Charles, je peux pas être d'accord avec vous. Le Pax, c'est pas comme un mariage. C'est une demi-mesure, un ersatz de mariage. C'est déjà mieux que rien. Mais je comprends pas. La société vous reconnaît, non? On n'en est pas là encore. On peut dire qu'elle arrive plus à nous cacher. Même moi, j'ai évolué. C'est pas ce que vous voulez de plus. Mais on veut rien de plus, justement. On veut la même chose que les autres. Rien de plus, rien de moins. On veut qu'on arrête de nous traiter différemment. Mais je croyais que vous revendiquiez un droit à la différence, justement. Arrête, papa, t'as très bien compris. Oui, de fait, on est différents, mais c'est pas pour ça qu'on doit pas avoir les mêmes droits. Qu'est-ce que tu comprends pas? Serge et moi, on est un couple. On a des sentiments l'un pour l'autre qui sont exactement les mêmes que deux hétéros. Tant qu'on n'aura pas les mêmes droits, ça va continuer d'entretenir dans la tête des gens l'idée que les homos sont incapables de s'engager ou de former une famille. Une famille? Mais comment ça, une famille? Charles, on va pas recommencer. Non, mais, excuse-moi, je suis sans doute un vieux con, mais là, j'arrive plus à comprendre, là. Je suis désolé, un couple, ça n'est pas une famille. Un couple d'hommes, de femmes, de ce que tu veux, d'accord? C'est leur choix, c'est leur vie, ça les regarde. Bon. Mais une famille, ça veut dire des enfants qu'on désire, qu'on élève et dont on a la responsabilité. Charles! J'ai rencontré ta mère. Je l'ai épousée. On t'a voulu, on t'a eu, on a fondé une famille. Voilà. Toi, t'as fait un choix différent. Je l'admets aujourd'hui, puisque tu me dis que c'est comme ça que t'es heureux. Mais j'ai eu du mal à l'admettre au départ, parce que ça ne te permettra pas de fonder une famille, justement. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, j'en souffre encore un peu, mais surtout, je suis pas sûr que toi-même t'en souffres pas, un jour. C'est pas contre vous. Vous comprenez, Serge?
ni contre vous, ni contre Victor. Tu dis rien? Tu sais, on ne changera pas ton père. Je pense à ça très sérieusement. Tu penses à ça très sérieusement? Tu veux adopter un enfant juste pour contredire ton père? C'est pas un peu excessif? Ça n'a rien à voir avec mon père. Ça me trotte dans la tête depuis un moment et tu le sais. On en a déjà parlé. Et puis je pense pas à l'adoption, je pense à un enfant de nous. Ouais. T'es sûr que t'as pas raté 2-3 cours d'éducation sexuelle en primaire, toi? Je me suis renseigné sur les mères porteuses. Là, tu dois savoir que c'est illégal. En France? Mais pas ailleurs. Écoute, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça, moi. Payer une femme, louer son ventre. Puis tu me parles de notre enfant. Il serait le tien. J'ai pas de problème avec ça, sauf que... Non, on pourrait donner chacun notre sperme. On saurait pas qui est le père. T'as raison. Enfin, s'il aime dessiner des maisons, il y a de fortes chances pour que ce soit le tien. Et puis, si c'est zéro pour la naissance, ça sera probablement bien. Je vais pas être grinçant avec ça, mais... Que t'en arrives à oublier ma maladie, ça me touche, mais moi, j'y arrive pas. Et c'est sans doute pour ça que je bloque. Je peux pas vivre avec l'idée que je verrai pas grandir cet enfant. La mère porteuse, pour moi, c'est exclu, évidemment. Mais toi, si tu veux, vas-y, fais-le. Non. Pas sans toi. Pourquoi? Parce que je veux un enfant avec toi. Avec moi, pour combien de temps avec moi? Arrête, tu vas pas mourir. C'est toujours mieux de croire à la vie. Moi aussi, j'aurais voulu cet enfant avec toi. Vraiment. L'avoir dit oui. Vous avez un peu réfléchi tous les deux, j'imagine. Oh, ouais, on en a beaucoup parlé. Officiellement, un seul des deux adoptera. Un couple non marié, a fortiori homosexuel, ne peuvent pas adopter ensemble. Donc ce sera qui? Eh ben, voyons voir. Un cinquantenaire séropo et marginal qui travaille dans une assoce gay ou un jeune et brillant architecte? On choisit qui? Donc ce sera Victor, c'est ça? Enfin, c'est juste pour l'administration. Pour obtenir l'agrément, on ne doit pas savoir que t'es gay. Légalement, rien n'interdit à un homo d'adopter. Mais en fait, leurs demandes sont systématiquement rejetées. C'est discriminant et pas avoué. Donc toi, il faudra que tu te fasses passer pour un hétéro et célibataire. Moi, j'aurais pas joué ça. Mais si je rassure là-dessus, je pourrais adopter. Pas tout à fait. En fait, y a une enquête et un rapport à une commission. Et c'est cette commission qui décidera de t'octroyer l'agrément ou non. Et même si tu l'obtiens, en fait, t'es sur une liste d'attente. Et là, ça peut prendre quelques mois, même plusieurs années. En termes de mode de vie, peut-être. Après, je pense que les conditions sont pas encore très claires. Tu penses ça, parce que tu vis ça. Même, je peux juste... Vas-y. T'es revenu. T'enflamme pas, papy, c'est pas pour toi. Je suis juste venu prendre une douche. C'est possible ou pas? Bien sûr. C'est ton cam, lui? C'est mon cam, ouais. Ouais, il est grave plus beau et plus jeune que toi, en fait. Ah, grave. En plus, il est architecte. Il est pété de thunes. C'est pas mal pour une vieille pédale comme moi. Pas vrai? C'est n'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Parce que... Et je suis désolé, c'est pas de l'homophobie. Si, c'est de l'homophobie. Non. Deux hommes ensemble peuvent pas élever un enfant. Voilà pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais?
T'as fait des études de pédopsychiatre? Non, j'ai pas fait d'études. Je suis un homme simple, ignorant. Hein, mais qui pense avec ses pauvres moyens qu'un enfant, ça a besoin d'une mère pour son équilibre. Pas vrai? Un enfant, ça a surtout besoin qu'on l'aime. Je sais pas, moi, à ton avis, il vaut mieux des parents homo qui t'apportent de l'amour et de l'attention ou des parents hétéros qui sont indifférents à toi? Et t'as pensé à tout ce qu'il va subir? Les regards des gens sur lui? Les regards des gens, on s'en fout du regard des gens. On vit pas sa vie en fonction du regard des gens. Non, mais quand c'est à lui qu'on va demander pourquoi il a pas de maman, pourquoi il a deux papas, pourquoi ils sont pas de la même couleur que lui, tu crois que ce sera simple pour lui? On sera avec lui. Je te signale que moi aussi j'ai dû me défendre contre le regard des gens. Et j'avais pas mon père pour me soutenir. Ben, pense ce que tu veux, tiens. Que je suis homophobe, con, borné, intolérant, et nul comme père. Mais si tu fais ça sans te préoccuper de ce que tu feras vivre à ton enfant, c'est peut-être que tu penses d'abord à toi. Et je trouve ça égoïste et pas responsable. C'est vraiment comme si on se séparait. Sauf qu'on se sépare pas, au contraire, on construit quelque chose. Laisse, ça va aller, j'ai presque fini. De toute façon, c'est pas long, ça tient dans deux cartons, une valise. T'as jamais été matérialiste? Hé, hey, après la visite de l'enquêtrice, demain, remets-toi à sa place. Maintenant, parlez-moi un peu de vous. Pourquoi voulez-vous adopter? Parce que j'arrive à un âge où le désir d'être père devient fort. Je crois que j'ai toujours eu cette envie. Profondément, je veux dire. Mais comme beaucoup de gens, j'ai privilégié mon travail, ma vie professionnelle. Mais à votre âge, pourquoi ne pas le réaliser de la façon habituelle? Parce que j'ai pas encore rencontré jusqu'à aujourd'hui la personne idéale. J'ai rencontré des jeunes femmes avec qui on n'a pas eu envie de le faire au même moment. Soit c'était elle, soit c'était moi. Soit pas tout de suite. Puis les histoires se sont terminées avant. C'est très banal, hein, c'est l'histoire d'un tas de gens. Et donc, avec le temps qui passe, j'ai décidé d'arrêter d'attendre. Comment concevez-vous ce rôle que vous allez jouer seul? Pour l'instant, je le conçois comme une personne stable, solide, qui se doute qu'éduquer, entre guillemets, c'est pas toujours évident. Réussir à être attentif à l'évolution d'un enfant, tout en le laissant être lui-même, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec des amis qui sont parents. Des hommes et des femmes. Avec l'une d'elles en particulier, qui est aussi une ex-compagne. C'est d'ailleurs un projet qu'on avait évoqué tous les deux. Et puis la vie a fait que ça n'a pas eu lieu. J'en parle avec mes parents aussi. Avec ma mère, bien sûr. Qui serait ravie d'avoir un petit-fils ou une petite-fille. Et votre père ? Avec mon père, c'est plus compliqué. Je veux dire, c'est quelqu'un qui exprime pas beaucoup, qui a du mal à échanger. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et du coup, votre mère pourrait rester disponible s'il faut vous aider? Vous savez que ça change vraiment l'emploi du temps d'avoir un enfant. Vos soirées vont être totalement prises. Oui. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais je travaille beaucoup à la maison. Donc je me sens capable de mener les deux choses de front. Un enfant adopté, vous savez qu'au début, ça peut avoir du mal à dormir. Ça peut vraiment vous dérythmer, vous fatiguer. Oui, je me doute, bien sûr. Mais je vous dis, je suis pas seul. J'ai vraiment le soutien de ma mère. Puis je suis pas quelqu'un qui sort le soir, les bars, tout ça, c'est pas mon truc. Non, je crois que vraiment, c'est un choix mesuré. Je me sens prêt. Ça va? Ça va, oui. Bon, ça a pas l'air. Excuse-moi, je suis pas d'humeur, là. Ça m'a foutu des boules, cette comédie. Et alors?
C'est bien. On est dans les temps. Ouais, c'est bon. Et l'autre dalle? Ah, ça y est, elle est coulée. Ah, elle est coulée. Ouais, tu veux voir? Ouais. Il faudrait y aller, là. J'ai réfléchi, je crois que c'est risqué de sortir aujourd'hui. Tu veux dire avec tous ces PD lâchés dans les rues? Sérieusement, il y a plein de caméras et de photographes partout. C'est pas le moment de se pointer à la Gay Pride. Il y a une enquête en cours. Honnêtement, darling, t'es sûrement le mec le plus bandant qui veut défiler aujourd'hui, mais je pense pas qu'on te repère si facilement dans la foule. T'as juste à éviter les interviews, ça devrait aller. Non, je préfère pas prendre le risque. Tu crois que ton enquêtrice va rester devant sa télé, scruter les visages de la Gay Pride? Je sais pas, mais vaut mieux éviter. T'as raison. Prenons pas de risques inutiles. Aujourd'hui, c'est chacun son combat. Moi, je vais marcher pour le Pax, et puis toi, tu vas te rendre invisible pour obtenir ton adoption. Notre adoption? Bonne marche. Ouais. Le bateau, ça représente, c'est une galère, ou on rame, ça représente le temps qu'il a fallu pour n'avoir que le Pax, et aussi la galère qui représente, pour certains hommes rituels, la difficulté à s'assumer. À 14h, le défilé quittera les quartiers de l'Odéon, pour une marche bruyante et festive de 4h. Malgré les premières coupes de pluie, ici le moral est plutôt fixe, à 4 jours du possible vote à l'Assemblée Allô nationale de la loi. Sur le Pax. Salut Céline. Qui sera au cœur de la parade. Chez moi. Non, je devais y aller, mais je pense que c'est pas une bonne idée de me montrer à la Gay Pride. Oui, à cause de l'adoption, tu sais. Il y a une enquête. Alors, tu voulais me dire quoi? C'est à propos d'hier, sur le chantier. On n'aurait pas dû. On n'est plus des ados et puis on bosse ensemble. T'inquiète pas, ça se reproduira plus. Tu crois? Bah. Je sais pas. Bien sûr que si. Ça m'arrive parfois. Et toi? Tu l'as déjà trompé, ton mec? Je le trompe pas. Je veux dire, je mens pas. Le moins possible. On a une relation ouverte. En confiance. Comme beaucoup de PD. Non, c'est pas ça. Depuis qu'il est en trithérapie, c'est compliqué physiquement. Mais même avant ça... Mais ça reste fort entre nous. Il me laisse libre quand j'en ai besoin. Et tu l'aimes? Ouais. Plus de 100 000 personnes venues d'abord pour faire la fête, mais aussi cette année pour se revendiquer comme étant la génération Pax, celle qui lutte pour la liberté et contre l'homophobie. Allô? Tous demandent une loi. Bonjour. Pour sanctionner la discrimination dont sont trop souvent. Bien, merci, et vous? Les homosexuels. Fait partie de cette association. Oui, c'est-à-dire? Je peux leur demander, bien sûr. Mais je pensais que vous aviez déjà les informations nécessaires. Locatrice sociale. D'accord. Écoutez, je vais les appeler, puis je vais voir avec eux.
Et je vous rappelle, vous voudriez faire ça quand? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et sinon, pour votre adoption? Justement, je voulais t'en parler. J'ai quelque chose à te demander. Tu sais qu'on est suivi par une enquêtrice sociale. Ta mère m'a expliqué, oui. Elle veut vous rencontrer, maman et toi. Elle aimerait vous poser des questions. Que vous lui parliez de moi, de mon enfance, ce genre de choses. Et de Serge? Non, papa, tu le sais très bien. Pour elle, je suis hétéro et célibataire. Et ce que je te demande, c'est de lui dire exactement ça. Tu veux que je lui dise que t'es hétéro et célibataire? Tu vas le faire ou pas? Tu veux que je lui mente là-dessus? Alors tu sais très bien que je pense que c'est pas une bonne chose, ni pour toi, ni pour cet enfant, de grandir entre deux hommes. La moindre des choses, quand on croit en ses idées, c'est de les assumer, non? Je suis 100% d'accord, mais là, on me le permet pas. C'est pas moi qui ai inventé les règles, papa. Si je pouvais, je ferais autrement. Mais tu le veux vraiment, ce gosse? Oui. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est pas par égoïsme. 100% d'abord à lui. On a envie de lui donner une chance à cet enfant, une place qu'il a pas de toute façon pour l'instant. Et s'il y a des abrutis pour penser qu'il a des parents pas comme les autres, je pense qu'on sera capable de lui apprendre comment faire, avec le regard des autres. Tu crois pas? Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Ce sera peut-être pas parfait. Il y aura sûrement des questions ou des regards à l'école, mais on sera là pour l'aider. Et pour l'aimer. On fera tout, tout pour qu'il s'épanouisse et qu'il ait jamais honte ou peur du regard des autres. Sinon, ben, ça voudra dire qu'on se sera planté en tant que père. Alors, tu vas nous aider? Ben oui. Je suis vraiment désolée, hein. Il est jamais en retard d'habitude. Oh, j'ai encore du temps. Alors, je peux vous poser une question? Comment vous faites, enfin... Vous pensez vraiment qu'on peut déterminer si les gens vont faire des bons parents en écoutant des anecdotes sur leur enfance? Ou en regardant dans leur placard? Désolée, c'est pas pour dévaloriser votre travail, mais c'est juste que ça paraît tellement plus compliqué que ça. Ah, non, mais vous avez raison, ça l'est. Et c'est pour ça que chaque détail compte et peut aider à prendre la meilleure décision dans l'intérêt de l'enfant. Bonjour. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas vu le temps passer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Brigand, on n'a plus parlé avec votre femme. Ben, on va commencer, si vous le voulez bien. Madame Brigand, ça vous ennuie pas si je m'entretiens seule avec votre mari? Monsieur Brigand, est-ce que vous avez été surpris quand Victor vous a annoncé qu'il envisageait d'adopter un enfant seul? Un peu, mais pas tant que ça. Comme Martine a dû vous le dire, il a toujours aimé les enfants, a toujours voulu être père. Et vous l'approuvez, cette décision? Ah ben, Victor n'a pas besoin de ma permission, c'est un adulte. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je le connais, je sais qu'il y a réfléchi, c'est pas un caprice, quoi. Pour être très clair, ce que je vous pose comme question, c'est... Est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris, vous, son père, qu'un homme de l'âge de Victor vous annonce qu'il envisage l'adoption seul, si jeune? De vous à moi, il n'aurait aucun mal à trouver une jolie femme qui lui donnerait des enfants, vous ne pensez pas? Mais ça, c'est à lui qu'il faut demander, pas à moi. Ah, mais je l'ai fait. Il est resté assez vague sur le sujet. D'ailleurs, il n'a quasiment pas parlé de sa vie sentimentale. Son travail, oui, son désir de paternité, son enfance, ses parents... Une ex-petite amie dont il a parlé très vite, presque avec gêne. Comme s'il voulait bien parler de tout, sauf de sa vie privée. Justement, c'est sa vie privée. Pas la mienne, ni la vôtre. J'essaie juste de comprendre qui est Victor. Et alors, qui est mon fils, à votre avis? Monsieur Brigand, je ne suis pas votre ennemi, et encore moins celle de Victor, mais j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout.
Bah dites-moi plutôt ce que vous avez envie que je vous dise. Votre fils est-il homosexuel? Pas à ma connaissance. Mais même s'il était, en quoi ça pourrait vous intéresser? Qu'est-ce que ça aurait à voir? Comprenez-moi bien, j'ai besoin de connaître tous les aspects du cadre de vie proposé. La loi n'interdit pas aux homosexuels d'adopter. J'ai déjà examiné plusieurs cas de demandeurs qui assument leur homosexualité. C'est la capacité d'une personne à être parent que j'évalue ici, rien d'autre. Ben, votre question sert à rien, alors. Pourquoi vous souciez de savoir si Victor est homo? Sauf si vous pensez que c'est ça qui ferait qu'il aimerait moins cet enfant ou qu'il s'en occuperait moins bien qu'un autre. Monsieur Brigand, vous ne comprenez pas. Ben, au contraire, je comprends très bien. Ce que vous me dites, c'est que vous êtes là pour évaluer si Victor fera un bon père. Et moi, son père, je vous dis que oui. Le reste, c'est sa vie amoureuse, ses préférences, ça regarde que lui, hein. Mais monsieur Brigand, j'ai pas de doute sur le fait que Victor ferait un très bon père. Je m'étonne simplement que dans son désir de l'être, il n'évoque jamais une mère. Bon, ben, et alors, il y a bien des pères et des mères séparés qui élèvent seuls leurs enfants. Non, on l'admet, ça. Ok, à tout de suite. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait chaud au cœur, ton accueil. Excuse-moi. C'est juste que je m'attendais pas. Tout va bien? Oui. Enfin, sauf cette réponse qui arrive pas. Pour l'adoption. Tu penses qu'à ça, tu devrais... Oui, je sais, c'est plus fort que moi. T'as raison, faudrait que je déstresse. Et qu'on patiente. T'as mangé? Non. Je t'emmène au resto. Victor, tu t'en vas? Je vais déjeuner. Serge, Célim, mon contremaître. Ah, bien, ben, enchanté, Célim. Bonjour. Il y a un problème? Non. Rien d'urgent. On se voit tout à l'heure. Ok. Bon, les gars, on y va, là? Ouais. Hein? Il leur tourne. C'est ouvert. T'as même pas une heure, là. Je peux pas, Victor. Toi, tu peux faire ce que tu veux avec Serge. Moi, pas. J'ai... T'as quoi? Une famille? Ouais, une famille, ouais. Et j'y tiens. À toi aussi, je tiens. Mais à eux, plus que tout. C'est pas simple. Tu savais tout de moi quand on s'est revu. Je t'ai rien caché. Tout était clair, non? Tout était clair. On peut se voir, bien sûr. Ça fait de mal à personne. Mais j'ai deux enfants que j'aime et une femme. Et pour eux aussi, je dois avoir du temps. Faut qu'on fixe des règles. Qu'on s'y tienne. Et qu'on soit prudent. Je comprends. Je peux rien te reprocher, moi aussi, hein. Je veux tout en même temps. L'amour, le sexe, une famille, un mec que j'aime, un autre que j'aime aussi, et qui a sa vie. Je te demande rien. Mais t'inquiète pas, ça changera rien au boulot. Tu veux pas venir manger à la maison, je te les présente. Tu travailles avec mon père? Mmh. On travaillait déjà ensemble quand on allait au lycée. J'étais pas née, moi. Non, mais non, je connaissais pas encore maman. Hein? Et vous, vous avez pas des enfants? Pas encore. Mais ça viendra. Tu préfères un garçon ou une fille? Bah, je sais pas. On verra ce que la cigogne va m'apporter. C'est pas les cigognes qui apportent les enfants. Ah bon? C'est pas les cigognes qui apportent les enfants? Mais c'est qui, alors? C'est maman qui les porte dans leur ventre. Mmh. Elle est forte, c'est ma fille. Je l'ai pas ouverte. Et non? Absence de référent du sexe opposé. Monte. On va pas en rester là. Je vais demander une copie du dossier. Je veux savoir. Je vais aller jusqu'au bout. Ils en ont pas fini avec moi.
rappeler votre nom, s'il vous plaît. Brigand. B-R-E-G-U-A-N-T. Très bien. Victor ? Oui. OK. L'aveu même du père du candidat, celui-ci est en situation de concubinage. Ces déclarations corroborent les signes de la présence évidente d'un concubin. Blablabla, le candidat a menti à l'administration, ce qui n'indique pas une attitude responsable. Comment t'as pu faire ça ? Victor, elle savait déjà. Elle cherchait juste une confirmation. Que tu t'es empressé de lui donner ? La seule chose que je te demande de faire pour moi, putain ! La seule chose en 20 ans, tu rates. Je voulais vraiment que ça marche, Victor, je t'assure. Non, papa, t'as jamais voulu que ça marche. Jamais. Et ben, tu sais quoi ? T'as gagné. Au-delà de tes espérances. Ça a pas marché. Alors, à partir de maintenant, maman, quand tu voudras me voir, ça sera chez moi, parce que je remettrai plus les pieds ici. Plus jamais. Plus jamais, tu m'entends ? Regarde-moi bien. Plus jamais, je t'appellerai papa. Et à partir de maintenant, on s'adresse la parole le moins possible. Et si on revenait à la solution de la mère porteuse ? Je sais pas. On pourrait peut-être... Il y a des couples de filles qui veulent des enfants aussi, on en connaît. On pourrait parler avec elles. C'est changer un peu le projet, mais ce sera sûrement difficile au début. Non, Victor, on peut pas, on va pas faire ça. Pourquoi ? Ça change quoi, au fond ? Je veux plus, Victor. Pour te dire la vérité, ça me soulage qu'on m'ait pas eu l'agrément. Je crois que j'ai jamais voulu être père, moi, comme toi. Tu sais très bien pourquoi. Mais c'est ridicule, tu peux vivre encore des dizaines d'années, tu le sais. Les médecins le disent. Oui, ou quelques semaines, on n'en sait rien. Écoute, il faut plus qu'on se cache la vérité. C'était ton projet depuis le début. Ça n'a jamais été le mien. J'ai jamais pris vraiment part. Parce que je fais plus partie de ta vie, Victor. Ça fait un moment déjà. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parlais de ce projet d'enfant à deux ? Avec toi ? Tu m'as dit oui ? Pourquoi ? Pourquoi tu m'as dit oui ? Juste comme ça, pour me faire plaisir. Je comprends pas, là, explique-moi. Pourquoi tu m'as laissé me battre avec tout ça ? Avec toute cette merde, là ? Les visites, ici, les entretiens avec les psys, l'enquêtrice, mes parents, putain ! Pourquoi ? Pourquoi on a fait tout ça ? Et si on avait eu l'agrément, il se serait passé quoi ? J'ai eu tort, je sais. Mais je crois qu'on devrait arrêter de faire semblant. On n'est plus un couple. Tu sais très bien que j'ai raison. Tu restes avec moi par fidélité à une histoire qui, en fait, est finie. Tu délires, là ? Je t'aime, moi, merde. Moi aussi. Et justement, tu veux un enfant, tu veux être père, et moi, je veux pas être celui qui va t'empêcher d'avoir cet enfant. Je veux que tu sois père. Simplement, j'ai pas envie de laisser derrière moi un veuf, un orphelin. Si je le dis plus clairement, je veux pas qu'on soit lié par ma maladie. Et j'ai pas envie de décliner devant toi, devant cet enfant. C'est fait, le pacte civil de solidarité a été définitivement voté à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Bah alors ? Je t'ai mis dans ton coin pour qu'on s'intéresse à toi ? On vient de te demander pourquoi t'es tout seul ? C'est pas un acte désespéré, ça ? N'empêche que t'es tombé dans le panneau, on dirait. Ouais, c'est ça, ouais, dans tes rêves. Comment ça se passe avec tes parents ? Mieux. Enfin, on se parle, quoi. Je suis allé manger à la maison 2-3 fois. Mmh. Surtout pour ma mère, en fait. Et ton père ? C'est pas encore ça. Mais après, je crois que ça le dérangerait pas si je revenais à la maison. Et toi ? Moi ? T'es ouf ? Plutôt crevé, ouais. Plus, tu sais que j'ai rencontré un mec ? Il me laisse squatter chez lui contre quelques pipes. Il a dans les 60 balais. Mais franchement, lumière éteinte, ça passe, hein. Je rigole, maman, oh là. Calme-toi, putain. C'est une blague. Il a mon âge, on est juste ensemble. Attends, t'aurais vu ta tête de mère poule en panique, là. C'est pourtant pas mon truc, l'instinct de daron. Non, non, mais arrête de faire le jeune. Dis juste parents, c'est très bien. Bon, et toi, alors ? Tu vas faire quoi ? Maintenant que t'es vieux et seul. Bien résumé. Farah ? Bonjour. Bonjour. Venez, entrez. C'est une surprise. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, Farah ? Je peux vous aider ? C'est moi qui peux vous aider, Victor. C'est le numéro d'une élue du conseil général. C'est un très bon ami. J'ai travaillé avant pour sa compagne dans notre quartier. Je crois qu'elle pourra vous aider. M'aider à quoi ? Céline m'a dit pour votre demande d'adoption. Appelez-la de ma part. Peut-être elle peut réévaluer votre dossier. Merci, Farah. Merci, vraiment. Mais pourquoi vous faites ça ? Parce que Céline m'a demandé. Et aussi, j'ai une faveur à vous demander. Laquelle ? Il faut plus jamais revoir Céline. Plus du tout. Pourquoi ? Je comprends pas. Si Victor, vous comprenez très bien. On est d'accord ? Merci. Je souhaite que du bonheur pour vous dans la suite. Sincèrement. Au revoir. C'est bien. C'est un footballeur professionnel.